Salut les gars, c'est le Nick, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va impeccable, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec les Spurs de Tottenham. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier, vous avez été nombreux à me proposer des joueurs et à mettre un like, donc ça me fait vraiment plaisir les gars. C'est super bien, l'équipe vous a plutôt plu. Dans l'ensemble, après il y en a qui auraient souhaité que je change de championnat, mais bon voilà, Wolfsburg, sincèrement je ne voyais pas jouer avec eux. Il y aurait trop eu de changements à faire, après ça aurait pu être une bonne expérience, c'est vrai, mais bon. Et puis Valence, il y a déjà Phonox, un gros youtubeur qui le fait, donc je voulais pas non plus copier sur lui. Enfin copier entre guillemets. Donc c'est pour ça que je suis parti avec les Spurs de Tottenham. Je vous avais demandé de me proposer un milieu droit, un défenseur central et un buteur ou deux si jamais Kane partait. Vous m'avez proposé des joueurs, ça me fait super plaisir. C'est super bien. Avant d'aller voir les joueurs, là je viens de voir que Eriksen était très convoité. Il y a Valence et l'Atlético Madrid qui voudraient l'acheter, mais ils ont aucune chance. Ou alors il va falloir qu'il claque beaucoup beaucoup beaucoup. Dans l'épisode précédent, on avait fait, il me semble, les 3 matchs de coupe. Ouais, c'est ça. On avait gagné 3-2 contre le CSKA Moscou. Ouais, c'est ça, c'est Moscou. Ouais, c'est bien ça. On avait gagné 2-0 contre l'AC Milan, une très belle victoire. Et on avait gagné 2-1 contre le Zénith. Donc là, on va jouer la demi-finale contre Bilbao, il me semble. Non, la Real Sociedad, disons pour moi. La Real Sociedad. Et sûrement la finale. Après, je sais pas contre qui. C'est qui la deuxième? L'Inter. Ah, ou Milan. Il y a Milan aussi. Pourquoi pas un petit Milan une deuxième fois, ou l'Inter, je ne sais pas. Peut-être plus l'Inter, parce que du coup Milan voudront leur revanche. Enfin bref, et je pense jouer le premier match face à Manchester United, parce qu'en ce moment, voilà, j'ai pas beaucoup de temps. Ma copine déménage et tout ça, donc moi après je vais sûrement emménager avec elle. Enfin bref, je vous parlerai de tout ça quand ce sera vraiment sûr pour moi. Ouais, donc peut-être le match face à Stoke, je ne sais pas. Je vais simuler les entraînements jusqu'à Manchester United. Enfin bref, trêve de blablaterie. Je vous montre les joueurs que j'ai retenus. J'en ai rajouté moi aussi de mon côté. Alors, tout d'abord en défenseur central, ça se joue entre deux joueurs. Aymeric Laporte ou Raphaël Varane. Les deux sont monstrueux. Laporte qui a un petit peu moins d'accélération que Varane, donc je sais pas. Après, ce qu'il y a, c'est le défenseur central, c'est pour jouer en équipe B, parce qu'en équipe 1 j'ai déjà Vertonghen et Toby, donc je ne sais pas, le défenseur central peut-être en prendre un jeune. Après je sais qu'avec West Ham j'avais acheté Saint-Just, mais j'avais pas beaucoup joué avec lui, donc pourquoi pas le racheter, et puis cela voir si mes défenseurs centraux font déjà l'affaire en première partie de championnat. Après je vous avais proposé un milieu droit, non je vous avais demandé un milieu droit, pardon. Un milieu droit ou un attaquant droit. J'ai eu du Sané. On m'a dit qu'il était très très bon. J'ai jamais testé. Et du Candreva. Après c'est pour aller en équipe B, parce que j'ai déjà Lamela en équipe 1. Donc je pense plus partir sur un Sané. Ouais, j'ai déjà demandé de m'informer. Candreva, je ne sais pas. Peut-être par l'avenir, on verra. Donc oui, milieu central. J'en avais pas spécialement besoin, mais vous m'en avez proposé, donc pourquoi pas à la place de, je sais pas, peut-être en équipe B. Et puis d'hier le redescendre. Je ne sais pas, on va. Faut que je me remette l'effectif en tête là. J'ai du Carroll, j'ai du Winks, ouais, ça va dégager. J'ai du Mason aussi. Pourquoi pas, à voir. À voir. Et je vous avais aussi proposé demandé de me proposer des buteurs. Alors, en buteur. 3 buteurs sont sortis. Ben Yedder, Brill, Donald, Mbolo. Le joueur de Bale, monstrueux, 18 ans. Ben Yedder aussi. Le joueur toulousain. Et Andy Delors. Andy Delors, il vient d'arriver à Caen pour 7 500 000. Donc je sais pas. En tout cas, je me suis informé sur tout ça normalement. Non, s'informer, hop. Et on va voir ce qu'il me propose. Niveau prix, alors Pjanic, je pense que ça sera pas faisable tout de suite. Après, pourquoi pas un petit Amarté en équipe B ou un petit Tillmans, à voir. Pourquoi pas échanger avec un Collins ou je ne sais pas. Les milieux droits, hop, tout ça c'est fait, ok.
Donc voilà les gars, je vais juste chercher Saint-Just. Voilà. Il est là le petit Jérémy à Saint-Just. Hop, on va s'informer sur lui. Comme ça. Et comme ça, il jouera sûrement en équipe B. Ouais, je verrais bien quand même un petit milieu central, pourquoi pas, à la place de... En milieu central, on a qui Mason, non, je pense le garder en équipe B. Il peut faire du sale. En MOC, j'ai Ali pour en équipe B, pourquoi pas à la place de Carroll. Ça peut être pas mal. Puis après, Wings, ça va partir. Donc voilà les gars, hop, on va avancer. On devrait avoir des réponses. Ah oh ouais, 33 millions pour Kandreva, sachant qu'il jouera en équipe B. Que j'ai pas envie de foutre la Mela en équipe B pour l'instant. J'ai envie de lui faire confiance, donc non, Kandreva, voilà, ça va pas être possible. Sané, 13 millions d'euros. Oh là 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 là, hop. On va virer, genre, on va mettre 10 millions. On va tester avec 10 millions. C'est vrai qu'on a pas mal de budget transfert quand même. Mais je ne sais pas avoir. Alors, Mbolo, 15 millions. Jérémy à Saint-Just. Ouais, bah lui, c'est vrai, il est donné. 3 millions 3. Hop. On va essayer de mettre un peu moins. Pourquoi pas 2 millions. Allez, 2 millions. 2 millions 2. Comme ça. Mbolo. Aussi, concernant Kane, je suis en train de penser à ça là en buteur. Alors, c'est pareil, les avis étaient mitigés. Kane, il est où Kane? Il est là, il est blessé. Alors, il y en a qui me disaient de le garder, d'autres qui m'ont dit de le vendre ou de l'échanger. Après, j'ai pas testé, je vais pas le tester jusqu'au début du championnat. Il a 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique, donc c'est plutôt pas mal. Après, c'est niveau, triple 77. Après, est-ce que je le vends et je prends un joueur du style Ben Yedder ou Andy Delors? Ou je garde Kane? Sincèrement, j'en ai aucune idée. Alors, pour l'instant, je vais le garder. Ouais, on va le garder. Ouais, mais après, voilà, il nous faut un buteur à la place d'Edgy, quoi. Ouais, mais il y aura Mbolo qui va arriver. Parce que, après Kane, j'aurais pu le mettre sur. Le remplacer. Ouais, on va laisser comme ça. Ok, alors ça dégage. Bastia, ça discute. 2 300 000 pour Jérémy à Saint-Just. Ok, d'accord. Votre intérêt pour Yuri Tillmans, 19 millions. Ok. Amarté, 3 millions 4. Emeric Laporte, 50 millions. Oh la vache. On supprime. Pjanic, 62 millions. Bah ouais, bah non, les gars. Je peux pas. Il y a Ben Yedder, on va garder. On va faire une petite offre pour Amarté. On va mettre 4 millions. Bah non, il me prend. N'importe quoi. Alors, genre, il m'en propose 3 millions et moi je vais l'acheter plus cher que de ce qu'il me propose. Non, c'est pas possible. 2 millions 5. Voilà, soumettre. Pour Saint-Just, en espérant qu'il me réponde, ça pourrait être pas mal pour le prochain match. Dernièrement, j'étais. Ouais, non, bah non, désolé, c'est la demi-finale, tu vas pas pouvoir jouer. Par contre, non, ça va, ils sont en bonne forme. De toute façon, à la place de son, ça va être la Mela. On va mettre ça tout de suite. Les gars, c'est parti pour cette demi-finale du bouclier européen au Parc des Princes. Les Spurs de Tottenham face à la Real Sociedad. On va essayer de faire un grand match, les gars, avec du Lloris, Walker, du Toby, Vertonghen. On a quand même pas mal de bons joueurs, du Dembélé, du Dier, Eriksen, Chadli, NG, Lamela. Faut gagner le match, tout simplement. Voilà, c'est bien, on se jette pas, c'est le principe. Oh, Dier, une deuxième fois, il a failli se faire tacler une nouvelle fois. Bah oui, tu l'as vu partir. Allez, Chadli, frappe! Oh là là, la parade d'hier. C'est dommage, première grosse occasion pour Tottenham. Les gars, il n'y a pas d'appel, là. Ouais, ça va, Walter, tu t'en sors plutôt pas mal. Oh, tu l'as vu partir, Eriksen. Oh, la faute de frappe qui la met dans le vent. Allez, Eriksen, finis-moi ça! Pourquoi tu prends ton pied droit? Fallait frapper avec le gauche. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, on se procure les plus grosses occasions. Oh, attention! Oh, la parade de Lloris. La parade de Lloris. Heureusement qu'il est présent. Ah ouais, le contrôle d'hier. Merde, ça peut nous coûter un but, ça! C'est bon, on a Lloris. Mais d'hier, faut pas me faire des boulettes comme ça! Attention! Eriksen. Oh, Eriksen, t'es passé? T'es repassé une deuxième fois, Eriksen? Allez, finis-moi ça, bonhomme! C'est ça, le capitaine qui était présent! Et le capitaine qui vient délibérer les Spurs! 1-0 pour Tottenham!
Quel magnifique travail d'Eriksen avec la petite feinte de frappe qu'il a mis dans le vent son défenseur. Et puis bah après, le petit plat du pied, c'est parfait dans le petit filet. Ça fait 1-0 pour Tottenham. Eriksen, à mon avis, il va nous faire une très très grande saison. Il est vraiment monstrueux. Avec NG. Voilà, oh Walker, c'est bien ce que tu m'as fait là. Voilà Chadli. Les Chadli, on t'a pas beaucoup vu pour l'instant. C'était quoi ce centre? Oh, ça revient sur la Mela! Oh là 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 là, les gars, on marque ce deuxième but contre toute attente. C'est parfait, la belle reprise de volée de Eric Lamela sur un centre foireux de Chadli. Le défenseur, je sais pas ce qu'il fait en contrôle de la poitrine. Puis bah derrière, il y avait Lamela. La petite reprise de volée, pas mal. Du coup, bah les gars, ça fait 2-0. C'est parfait. Son échauffement, il est prêt à faire son entrée. Oh là, la passe pour son, elle est magnifique. Oh oui, le duel avec le gardien. Le contrôle de son foiré. Allez, but de Ligue 2. Hop là, troisième but. Eric Lamela. C'est parfait, les gars. C'est parfait. Bon, c'est vrai que j'ai marqué un but de raclo. On s'en fout. On marque le troisième but. C'est parfait. Ça met en confiance Lamela. Lamela qui a fait une très très bonne compétition pour l'instant. Parce que je crois que c'est le meilleur buteur de la compétition. Je sais pas si on peut voir ça. Enfin bref, du coup on gagne 3-0, donc c'est parfait. Voilà les gars, c'est parfait, on a réussi à se qualifier pour la finale. C'est plutôt bien avec un très bon match dans l'ensemble. Niveau stats, ouais c'était équilibré. Hein. La Real Sociedad avait un petit peu plus la possession, après en deuxième mi-temps ils ont beaucoup fait tourner la balle. Lamela qui met un petit doublé. NG, il a eu 5-5 de notes, ok d'accord. Ouais, Vertonghen 7 de notes quand même, et puis Hugo Lloris 9. Et l'homme du match? Ah ouais. Combien d'arrêts? 9. Et l'autre 3. Ah oui, bah oui. Bon bah voilà les gars, on a gagné cette demi-finale, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Les gars, je vais me chercher à boire, je reviens tout de suite. Bon les gars, de retour. Alors cette finale, on va la jouer contre l'Inter. Ils ont gagné au penalty 4-3 contre l'AC Milan. On va voir si on a eu des réponses concernant les transferts. Ça serait pas mal. On n'a pas eu de réponse encore. L'Onyx Galvani se trouve pour la finale. Non, moi je le veux, hein, c'est juste. Oh c'est juste. Hop, vers offre de transfert, on va proposer 2,5 millions. 2,4 millions. Allez, 2,4 millions. On verra. Après. Transfert accepté pour. Mbolo, 11 millions, donc c'est plutôt pas mal. On va lui faire une petite offre, 50 000. On va lui mettre 4 ans, on va lui mettre joueur de rotation d'effectif. Ouais. Allez, tu vas venir aux Spurs, ça va être pas mal. FC Schalke pour Sané, 10 millions, donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Hop, on va mettre 70, 4 ans, joueur de rotation d'effectif aussi. On va pas lui mettre de pression. Et après, c'est tout en espérant qu'ils acceptent avant le match face à l'Inter. Ça serait l'idéal. Allez. On va croiser les doigts. Avant quelqu'un qui accepte. Allez. Non. Moussa Dembélé. 15 millions. Non, si vous le voulez, c'est pareil. C'est 25 millions. Même pas 30 millions. Si on le vend, c'est même pas sûr, parce qu'après, du coup, il faudrait que j'achète un milieu. Amarté, ça a été accepté pour 2,5 millions. Ok, on va lui faire une petite offre. 25 millions, 4 ans, titulaire, joueur de rotation d'effectif aussi. Bon, ben, on jouera le match face à l'Inter sans aucune recrue. C'est à Gerland. La Mela qui est un petit peu fatiguée, mais dans l'ensemble, l'équipe est en bonne forme. Donc, bah les gars, c'est parti pour les meilleures actions. Dembélé qui garde la balle. Oh la faute sur Dembélé là. Ça va être un coup franc intéressant pour Eriksen. On va essayer de la mettre dedans. J'ai du mal à les mettre en ce moment les coups francs, je sais pas pourquoi. Allez Eriksen. Ah il s'est contré. Oh ça revient sur la tête de... C'était son... Oh là 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 là. Dommage. C'est dommage. Oh bah oui, c'est bien joué. On se prend le premier but. On souffrait en ce début de match, on souffrait. Faut se réveiller tout simplement parce que là ça va pas du tout. On leur met la pression là, c'est ça que je veux voir. Oh, bon, encore une faute sur la Mela. Bah ouais, il faut mettre le carton un petit peu là. Voilà, carton jaune. On va de nouveau avoir un beau coup franc. Allez, on va essayer de tirer en force. Avec Eriksen. Allez, Eriksen.
je te fais confiance, tu mets au fond. Christian Eriksen. Oh là 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 là, la parade d'Andanovic. Elle était bien partie ce coup franc. Allez, un nouveau corner, on leur met la pression là. Oh, le corner il est mal tiré. Mais oui, il était mal tiré, il n'y avait personne. Oh là, le beau tac de Kondogbia. Attention là, c'est des ballons qu'il faut éviter de perdre dans ces niveaux là parce que ça peut nous coûter très cher. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah voilà, on se prend le deuxième but. Il était tout seul, il était tout seul, il a fait un appel magnifique. Il lui a mis dans la profondeur et là il a mangé tout le monde. Puis bah, après il avait juste à finir. On s'était réveillé mais on se prend le deuxième but, le doublé de Palacio. Voilà Dembélé, le pressing, c'est ça que je veux voir. Allez Eriksen, fini. Voilà, on revient dans le match. Le capitaine, il est toujours présent le capitaine. 62ème minute. Lamela, tu passes à droite. Ngie, tu passes en pointe. Là, on va tout faire pour revenir dans le score. Ngie, et là. Faut tout défoncer, les gars. Faut tout défoncer. On va aller marquer. Ouais, les gars, faut l'arrêter là. Ça leur fait gagner du temps. Oh là 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 là, il nous fait mal. T'es sérieux toi? Dégage là! Oh! Oh! C'est quoi ça? Oh, je passe en ultra off les gars. Même pas, attaque de folie. Attaque de folie. Oh, j'ai cru que j'allais récupérer. Au pire, les gars, vous le stoppez. Oh là là, une nouvelle fois la parade de Lloris. Ils vont le jouer à deux. Ils vont essayer de garder la balle au point de corner. Je vois ça gros comme une maison. Non, c'est bon. Oh là là, ils ont fait un truc là. Allez Lloris, c'est maintenant ou jamais. Allez, t'es parti, on te rattrape plus. Oh les gars, là il y a un beau contre à jouer. Allez Eriksen, allez capitaine. Allez Lamela, t'es l'homme en forme de penalty. C'est quoi ça? Oh là 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 là. Allez, va le stopper. Bon les gars, il va aller s'enfermer dans le coin là. Pour l'instant il essaie de garder la balle. Les gars, faut aller là-dessus. Hein. Quitte à se prendre un troisième but, on s'en fout, mais on va tout tenter. Allez dire. Allez Vertonghen. C'est Vertonghen, t'as pas beaucoup de vitesse. Tu l'as vu partir Eriksen. Allez Eriksen, t'es pas cuit. Si, il est cuit, merde. Allez les gars. Ah oh, bah ouais les gars, c'est la fin du match. Bah ouais, mais genre ils étaient morts. C'est pas grave, on aura essayé. On aurait essayé. Après voilà, l'Inter a bien joué, ils nous ont marqué 2 buts, ils nous ont largement dominé. Première défaite. C'est la première défaite. Bon, c'est dommage. Après, on a quand même fait une bonne compétition. C'est bête de finir là-dessus. Enfin, voilà, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu. Alors, on va aller voir le joueur de la compétition. À mon avis, il y a de grandes chances que ce soit Lamela. Info Club, ouais, joueur de la compétition, même pas. Ça a été décerné à Hugo Lloris. Kane, c'est du 50-50. Harry Kane est prêt à jouer. Voilà ce que les supporters aimeraient entendre. Malheureusement, l'Onyx n'ayant lâché aucune information quant à l'état de santé de son attaquant, tout le monde est dans l'expectative. Sera-t-il opérationnel pour la première journée de championnat? Je l'espère. Ouais. On va aller voir le bureau. Alors, transfert accepté pour Saint-Just. C'est parfait. 6 000. Oh la vache. 25 000, ouais bah hop, 4 ans, titulaire joueur de rotation d'effectif mon gars. Ah oui, je peux pas faire plus. Le roi Issen. Quoi? Ok d'accord. Ça veut dire je peux pas payer assez cher. On va mettre 75 000. Faut te payer trop cher. 75 000, 4 ans, joueur de rotation d'effectif. Ok. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont accepté les gars? Hop, Empoli, ça dit. Ok d'accord, donc ça c'est bon. Votre performance, félicitations pour vos résultats. En allant loin dans la compétition, nous avons pu mettre le club en avant et chacun y trouvera des avantages. Nous avons hâte de vous voir à l'œuvre pour le début de saison. Nous espérons que les fonds supplémentaires aideront à renforcer encore plus l'équipe. Je l'espère, mon petit, je l'espère. J'aimerais bien boucler tout ce qui est transfert. Hop, on va faire une petite séance d'entraînement par contre, ça fait longtemps. Mise à jour Allemagne, ok, je m'en fous. Fiorentina. Nous avons réexaminé le prix que vous avez fixé pour Vertonghen et nous estimons qu'il ne... Très bien, Mbolo, les gars, la première recrue. Brel, Donald... Mbolo, t'aurais dû venir pour la finale, mec. Bon, c'est pas grave. Notre première recrue, les gars, ça fait plaisir.
On va avancer, on va faire le hop comme ça. Alors du coup à la place d'Engie, on va mettre Mbolo. Création d'occasion tout pareil. Et du coup, on simule tout. Moi je vais boire un coup en attendant. Bon les gars, c'est pas fameux fameux. C D C D F. Ça aurait pu être mieux. Enfin bon, c'est pas grave, on avance. Proposition de transfert concernant Hugo Lloris. Bon, ils sont malades. Vous le voulez? Vous le voulez vraiment? 95 millions. Pas moins, pas moins, pas moins. Il est juste monstrueux, c'est tout. Moussa Dembélé, 18 millions. Non, j'avais mis combien? Allez, on va laisser à 28 millions. C'est 28 millions ou rien. À vous de voir. À vous de voir. Daniel Amarté, proposition de contrat acceptée, parfait, bienvenue au club. La deuxième recrue, il nous manque Sané, Saint-Just, et on aura fait un bon petit transfert. On n'aura pas ramené de très très gros joueurs, mais bon, c'est toujours ça de prix. Witzel a signé pour 24 millions d'euros à l'Inter de Milan. Saint-Just, proposition de contrat acceptée, c'est parfait, bienvenue au club mon petit. La troisième recrue, et Sané qui a toujours refusé. Pour les motifs, ouais, bah c'est toujours pareil, manque de thunes. Bon, alors on va te mettre 80 millions. Tu vas être. Ah. Bah non, il n'y aura pas 80 millions, il y aura que 77 millions. Tout simplement. 4 ans, joueur de rotation d'effectifs, ou puis on va lui mettre une petite prime de but. Et je vais aller faire un réajustement de salaire. Sané, c'était combien? 10 millions. Ah oh, ouais, ça va, il nous reste quand même pas mal de thunes. Hop, on va monter, à, voilà, comme ça, il va nous rester 20 millions. À peine, donc c'est plutôt pas mal. Si vous avez des joueurs à me proposer, non, c'est pas 18 millions, mais arrêtez avec 18 millions, c'est 28 millions, c'est tout. Vous l'achetez ou vous l'achetez pas, c'est tout, c'est pas compliqué. Hop, alors on va avancer, on va continuer d'avancer. Leicester City, des hold-up à prévoir, bah peut-être oui, parce que s'ils jouent comme en IRL, mon dieu. Ouais, ok, d'accord. Hugo Lloris, nous estimons qu'il ne vaut pas autant, bah tu m'étonnes. Ça me ferait chier de mettre 95 millions dans un. Dans un gardien, enfin bon, c'est le prix que je le vends si j'ai à le vendre. Voilà, c'est ça mon pote. Bon, il nous reste 22 millions. Je vais aller faire l'équipe B. Mise à jour Angleterre, ok. Et puis on se retrouve juste après pour faire le point sur le transfert, les gars. A tout de suite. Bon, les gars, ça y est, j'ai fait l'équipe B. Alors, par contre, là, du coup, là, il y a quelque chose qui change à la place de la Mela. Non, c'est Kane. Il joue Kane. Il est encore blessé, mais c'est pas grave, c'est juste pour voir ce que ça donne. Kane à la place de Son, là c'est Lamela, et là c'est Chadli, Dembélé, Eriksen, Nier, Walker, Toby, Vertonghen, Rouge, Lloris, impeccable. Là on met les centres, hop, ici on met Mbolo, Sané, on le met. Là de Onoma. Et voilà. Voilà les gars, la composition, l'équipe 1 avec du Chadli, Kane, Lamela, Eriksen, Dembélé, Nier, Walker, Alder, Wereld, Toby, Vertonghen, Rose. Et pour l'équipe B, j'ai tout simplement mis la doublure. J'ai tout simplement mis la doublure. Avec du Mbolo, du Son, du Sané, Ali, Amarté, Bentaleb, Davis, Saint-Just, Wimmer, Trippier, Vorm. Voilà. Tout simplement, donc normalement, les niveaux. Au niveau des transferts, ça doit être bon. Après, pourquoi pas vendre un milieu gauche et s'en acheter un, je ne sais pas. A voir. Peut-être un petit peu plus rapide. En tout cas, on verra bien, on va attaquer déjà le début du championnat. Ok, d'accord, on va vous dégager alors. Alors les gars, on arrive au match face à Manchester United. On vient de recevoir une proposition de transfert pour Eric Lamela. Alors si je le vends, c'est 43 millions. C'est comme ça, s'il part au pire, on pourra s'acheter un milieu droit. Même si Lamela fait le taf. Hein. Hop. On va faire un entraînement, on simule aussi. Allez les gars, j'espère que Kane sera revenu. J'espère qu'il sera prêt pour le début du championnat. Au début de la saison, ils m'ont dit qu'il était prêt pour le début du championnat. Donc on va croiser les doigts. On va attaquer le match face à Manchester United. Le retour du blessé, impeccable, c'est bon. Proposition de transfert concernant Sonoupe. Ok, accepté. Il va partir à Morecambe. Til. On va aller jouer à Old Trafford. Alors à la place de Kane, par contre, je mets Mbolo. Comme ça,
Kane, tu seras ici avec du Lamela, du Chadli, du Riksen, du Dembélé, du Dia. Alors par contre Dembélé, on va leur monter un petit peu comme ça. Hop, Vertonghen, Toby, Lloris, Danny Rose. C'est parfait. Les gars, c'est parti pour les meilleures occasions. Premier match, première victoire. Les gars, on est parti pour le premier match de la saison. Manchester United face aux Spurs de Tottenham à Old Trafford. On va essayer de faire un gros match, tout simplement. Faut remporter les 3 points, commencer par une bonne note. Oh, il y a Eriksen qui est passé. Oh, Eriksen, la fin de frappe d'Eriksen. Avec la frappe d'Eriksen qui passe à côté du cadre, c'est dommage. Il était bousculé, je pensais qu'Embolo allait la reprendre, mais pas du tout. En tout cas, on a la première occasion, c'est bien. Ça va leur mettre un petit peu de pression à Manchester United. Attention à Wayne Rooney. Allez, premier ballon pour Embolo. Allez, Embolo. T'as vu partir Lamela. T'as vu partir Lamela. Lamela, t'es parti. Allez, Lamela. Tu m'as fait une bonne préparation. C'est parfait. Oh, Eriksen. Oh, Eriksen, le capitaine. Oh, le capitaine, fallait finir. Deuxième grosse occasion pour nous. C'est bien, on leur met la pression là. Voilà, t'as vu partir Lamela. Non, c'est Walker, autant pour moi. Fin de frappe de Walker. Pourquoi pas avec un petit centre. Le centre de Walker pour la tête de Lamela qui a été arrêté par De Gea. Allez, Dembélé la frappe. Oh là là, la parade de De Gea. Oh, c'est magnifique pour Eriksen. C'était un petit peu long. Il n'était pas présent, le petit... Oh, par contre, ça faut éviter. Fallait la laisser sortir, bonhomme. Ah oui, c'est de ma faute. Oh, pas se prendre deux buts sur une erreur, ça serait trop bête. On domine ce début de match. Allez, la défense. Oh là, bah, qu'est-ce qu'il nous a fait, là, Depay. Voilà, Walker, t'étais bien présent. Oh ouais, mais tu l'as redonné à Fellaini. Bah ouais, sur des erreurs encore. On se prend toujours des buts sur des erreurs défensives. C'est pas possible, ça. On domine largement ce début de match. Et on se prend un but de Fellaini. Bah oui, une erreur, ça lui revient dans les pieds. Après, il termine, hein, c'est normal. Attention. Oh, le tacle est magnifique, il n'y a pas pénalty. Le tacle était magnifique, heureusement. Ouais, oh, parce qu'il nous met Valentia derrière. C'est bon, récupère la balle. Oh, Embolo. Embolo, c'est long Eriksen pour Embolo, c'est dommage. C'est dommage, c'était bien joué. Allez, on récupère la tête, voilà. Faut leur mettre la pression, là. Voilà, je t'ai vu partir, Chadli. Chadli, t'es passé, Chadli. Allez, Chadli, finis-moi. Oh, une nouvelle fois, la parade de Doréa. Il est bon, ce gardien, il est bon. Pour Eriksen. Oh, ça passe pour Chadli. Allez, Chadli, finis-moi ça! L'égalisation, c'est mérité! Quelle magnifique action! Le but de Chadli, regardez-moi. Le petit contrôle orienté d'Eriksen, là, il se retourne, il la met pour Chadli. Et puis, bah, Chadli qui finit avec un petit plaid du pied. On arrive enfin à tromper Doréa. C'est plutôt pas mal. Allez, faut continuer maintenant. Oh, dommage. Oh là 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 là, cette frappe de Rooney. Elle est magnifique, y a rien à dire. C'est pas mérité sur la deuxième mi-temps, mais ils reviennent. Ils marquent quand même ce deuxième but. Magnifique but de Wayne Rooney. Faut continuer à pousser. Hein. On va réussir à revenir à égalité. C'est pas trop mérité, mais bon. Eric Dier, t'es passé. Allez, Eric Dier, toi aussi, tu peux marquer des beaux buts. Oh là 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 là. Le magnifique but d'Eric Dier. Oh là là, on revient à 2-2. Mais oui, on peut faire nous comme Rooney. Y a pas que Rooney qui peut marquer des beaux buts. Oh, regardez-moi cette frappe là, le petit crochet. Puis derrière, il enchaîne une frappe pleine lucarne. Et ça vient se finir dans le fond du but. Premier but d'Eric Dier cette saison, c'est parfait. Ça fait 2 partout. Voilà, Dier, tu récupères la balle, parfait, il fait un très très gros match. Par contre, ça c'est à éviter, ça. Oh, attention, ça joue bien. Oh, ça joue bien, ça vient dans... Oh, on s'est fait bouffer. Oh, la parade de Lloris, la claquette, elle était magnifique. Allez, les gars, faut essayer d'aller marquer ce troisième but. On a réussi à revenir à 2-2, pour l'instant, on souffre. La balle qui va sortir en touche, ça peut nous permettre de... Oui, ça peut nous libérer. Allez. Faut récupérer la balle directement là. Avec Schweinsteiger.
Wally Kane. Oh, c'est trop long pour Dier, c'est dommage. C'était l'occasion pour aller marquer ce troisième but. Oh, peut-être une dernière occasion. Non, c'est récupéré. Ouais, c'est mal joué. J'ai voulu jouer trop vite pour aller vers l'avant. Bon, les gars, premier match. Match nul contre Manchester United. C'était un match, un assez beau match à voir. Eric Dier, sûrement élu homme du match. Oui, avec ce deuxième but qui nous met. Et ouais. Dorea qui a fait de très belles parades. Après le match nul, on aura peut-être mérité une victoire. Enfin, c'était assez équilibré, donc on enchaîne. Je pense faire un dernier match. Il me semble que c'est Everton le deuxième match. Je ne sais plus, on va voir ça tout de suite. Du coup, on doit être placé milieu de tableau. Bon, on est septième. On va aller voir les autres rencontres, ce que ça a donné. Alors, Chelsea qui a gagné, Bournemouth qui a gagné, Crystal Palace, Watford, Leicester City aussi, et après, match nul. Il n'y a eu que deux matchs nuls. Ah non, il y a eu l'autre match nul. Donc, à voir. En attendant, on peut... Proposition de transfert concernant McGee, tu peux partir. On va aller attaquer ce dernier match, joueur vendu, ok, d'accord. Hop, Arsenal, Pjanic est arrivé pour 47 millions d'euros. L'AS Monaco pourrait réclamer la 28... Non, mais non, pas 28 millions, arrêtez avec 28 millions, j'ai dit 38. C'est pas possible, ça. Non, c'est Stoke City le dernier match. On va attaquer... on va faire le dernier match face à Stoke. Ça sera sûrement le dernier match de l'épisode. Ça aura fait 4 matchs, donc c'est plutôt pas mal. Proposition de transfert concernant Hugo Lloris. J'ai dit 80. 91 000. Ouais, moi je suis un ouf. Pas les couilles. Bon, les joueurs vendus. Ok, c'est parfait. Hop, on avance face à Stoke City. Alaba qui veut partir à la Juve. Ouais, ça peut être pas mal. Discussion de Chelsea et Bayern à propos de Boateng. Ouais, aussi, ça peut être bien. Proposition de transfert concernant Clinton Ndji. On va le prêter. Ça va lui permettre d'augmenter. Il va aller jouer à Ipswich Town. Ça doit se prononcer comme ça. On attaque le dernier match face à... Oh, Javi Martinez est arrivé à Manchester City. D'accord, ok. Bon, bah c'est parfait pour la médaille. Ils ont arrêté le match face à Stoke. C'est parti. On va essayer de faire un gros match, de remporter les 3 points. Ça serait bien que Kane nous montre un peu ce qu'il vaut. Ouais, les gars, hop, par contre, ce que je voulais faire, la Dembélé, leur monter un petit peu, comme tout à l'heure, en milieu centraux, hop là, ok, d'accord, les gars, c'est parti. Simplement à repousser le ballon. Moussa Dembélé. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, les gars. Quatrième minute de jeu, but d'Eric Lamela avec une passe décisive d'Harry Kane. C'était parfait, Harry Kane a vu qu'il pouvait pas frapper, il l'a déplacé, il l'a passé à Eric Lamela, déjà la magnifique frappe la magnifique passe d'Eriksen pour Kane, et Kane qui la décale pour Lamela, ça fait 1-0 les gars au bout de 7 minutes de jeu. C'est plutôt pas mal, on attaque bien ce match, faut continuer à marquer des buts, les mettre en confiance, et puis que Harry Kane nous plante le premier but. Qu'est-ce que ça joue bien les contre-attaques. Allez, Lamela, le doublé de Lamela. Et voilà, les gars, le doublé de Lamela. Ça fait 2-0 au bout de 14 minutes de jeu. Attention à la fessée pour Stoke City. On n'a pas apprécié de perdre face à Manchester United. On va se rattraper là-dessus, les gars. Voilà, Eriksen, le pressing, c'est ça que je veux voir. Kane, fais-moi un autre appel, merde. Bah ouais, tu viens dans ma direction. Faut que t'ailles de l'autre côté. Bon, on domine largement ce match pour l'instant, les gars. C'est parfait. Hop. Faire une petite tactique, on va essayer ce que ça donne avec Eriksen avec la tête d'Harry Kane. Non, même pas, c'était Vertonghen. Oh bah oui, Lamela il est parti une nouvelle fois. Allez, Lamela. Oh, pour Eric Dier. Le penalty, c'était limite là. C'était limite le penalty sur Eric Dier. Oh là, tu récupères la balle, c'est parfait. En plus, que tu lui mets. Allez, enchaîne. Oh là 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 là, ça c'est carton. Il allait frapper. Il allait frapper, Eric Dier. Bah ouais, Jelini. Oh, Imbula. Calmos, calmos. Oh, Eriksen. Oh, Eriksen. Oh, Eriksen. C'est là. Allez dedans. Eriksen. Oh, Butland qui a quand même été mis en danger. Elle était en plein sur le gardien, mais il a quand même été mis en danger.
Ouais, mi-temps. C'est la mi-temps, les gars. On gagne 2-0. On domine quand même plutôt bien ce match. Hein. On est pas trop inquiétés. Ils ont dû faire quoi? Aller une frappe. Ouais, même pas 0 frappe, 0 tir. Nous, on a marqué 2 buts, 4 tirs, 3 tirs cadrés. Donc, c'est plutôt pas mal. Il faut continuer comme ça et puis continuer à marquer des buts. Oh lolo lolo lolo. Attention, faut pas se prendre de buts, les gars. Faut pas se prendre de buts, les gars. Faut pas se prendre de buts. Faut pas se prendre de buts, j'ai dit. Oh bah ouais, bah ils reviennent à deux. Hein, ils reviennent à deux. Hein. Ils font deux frappes dans le match. Ils arrivent à marquer un but quand même. Oh, c'est fou ça, la défense. Je joue vraiment mal en défense. C'est impressionnant. Ça n'était pas parti, c'est bon. C'est dommage. Bon, les touches. On va essayer d'avoir la dernière occasion et puis de marquer un but sur la dernière occasion. Ça pourrait être pas mal. Allez, Mbolo! La porte transversale, mais. Ouh là 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 là. Ça leur chauffe au cul quand même. Ah, Mbolo qui a essayé de passer, c'est dommage. Il n'a pas la facilité d'Eriksen. Mais bon, les gars, on gagne ce dernier match 2-1. Donc c'est parfait. On aurait pu éviter de se prendre le but quand même. Regardez, 9 tirs contre 1. Non, 9 tirs contre 3. Ils encadrent qu'un et c'est le but qui marque. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage de se prendre ce but et de pas avoir réussi à marquer en deuxième mi-temps. Comme d'habitude, on joue qu'une mi-temps. Enfin bref. Du coup, dans l'ensemble, mes joueurs ont fait un bon match. Ça peut aller, c'était pas mal. On va terminer là-dessus, les gars. On va regarder. On est combien au classement? Je pense être dans les 5 premiers. On va regarder aussi les matchs contre qui on joue dans le prochain épisode. Il va rester encore un petit peu de transfert. Donc dites-moi dans les commentaires si les transferts déjà ça vous a été. Et si vous voyez d'autres joueurs. Kane, je suis sceptique quand même dessus. Dites-moi dans les commentaires si je vends Kane ou pas. Faut vraiment me le dire. Et du coup si je le vends pas, bah j'achèterai sûrement un buteur, soit Ben Yedder ou je sais pas. Il nous reste quand même pas mal de sous. Séville, proposition de transfert concernant. Ok d'accord, bah oui, bah tu m'étonnes. C'est normal. Alors du coup, On va jouer le match après face à Leicester. On jouera un match de coupe face à Charlton. On finira le mercato avec Everton. Et on fera un match contre Sunderland. On gardera le début de l'Europa League pour l'épisode 4. Ouais, c'est ça, 4. Donc voilà les gars, on va faire un petit rapport d'équipe. Pour la fin de vidéo. Alors, Hugo Lloris. Bah, tout simplement monstrueux. Monstrueux, il s'est pris un but lors du dernier match, mais bon, c'est pas de sa faute. Il peut faire mieux, on va continuer de l'augmenter, il prend déjà des petits plus 1, donc c'est pas mal. Kyle Walker, ouais, c'est. Bah, je me plains pas. Donc, quand je me plains pas, c'est plutôt bon signe. Toby, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Faut qu'il continue, faut pas qu'il arrête. Vertonghen, c'est pareil, il a déjà pris un petit plus 1 en plus. Donc, c'est plutôt pas mal. Danny Rose, pareil, il fait des bonnes petites montées, c'est plutôt bien. Eric Dier, bah, il nous a marqué un but monstrueux face à Manchester United, qui nous permet de ramener le point du match nul. Donc, faut qu'il continue comme ça, pour l'instant il me fait plaisir, donc c'est parfait. Moussa Dembélé, il a pris un petit plus 1. Pas grand chose à dire sur lui, à part qu'il est parfait. Il est parfait. Il y a rien à dire. Eric Dier manque peut-être un petit peu d'agressivité et de. Mince. Oui, d'agressivité et puis bah même de force, voilà, de force. Même s'il a déjà 84. Mais ouais, c'est plutôt pas mal. Christian Eriksen, bah voilà, c'est le capitaine, les gars. C'est le capitaine. 3 matchs en 7 buts. 3 invincibilités, 7 de moyenne générale. C'est plutôt pas mal, hein. Eric Lamela, bah alors lui c'est notre buteur, c'est notre buteur. 2 matchs en première ligue, 2 buts. A mon avis ça doit être le meilleur buteur ou il doit être dans le haut du classement. Que dire de lui à part qu'il nous fait des matchs monstrueux. Harry Kane, je ne l'ai pas vu, il a fait une petite passe décisive pour Lamela. Mais je ne sais pas, à voir. À voir, j'ai pas beaucoup joué avec lui. Nasser Chadli. C'est plutôt bien aussi, hein. Il est pas mal. Après, attaque en milieu gauche, je voudrais peut-être un petit peu plus de vitesse. Il manque peut-être un petit peu plus de vitesse. Son aussi. Le Roi Sané, bah, pour le si peu que j'ai vu, il se démerde plutôt pas mal. Il a failli marquer son petit but. Mbolo, pareil, il a failli marquer son petit but, mais manque de peau. Il a touché la barre transversale. Après, il a que 18 ans, il a tout l'avenir devant lui, donc faut continuer de l'augmenter.
Bentaleb, j'ai pas beaucoup joué avec lui. Pas encore. Dele Alli, pareil, il est pas mal. Hein. Il est pas mal, il a marqué son petit but, donc c'est plutôt pas mal. Ben Davies, j'ai pas beaucoup joué avec lui. Son, il a marqué un but. Après, peut-être qu'il va passer titulaire. Je ne sais pas, à voir. À voir entre Son et Shadley. On verra bien. Sachant que Son est un petit peu plus vieux, plus jeune, je veux dire. Donc à voir. Michel Vorm, il a pas joué de match. Puis après, c'est tous les petits jeunes. Jérémy Saint-Just qui a déjà pris un petit plus 1, il a fait aucun match, il a déjà pris un plus 1. Donc c'est parfait, on va l'entraîner. Onoma, il a pas beaucoup joué. Daniel Amarté, il a fait aucun match. Et il prend déjà des petits plus 1 aux entraînements, donc c'est plutôt bien. Donc voilà les gars, on est espérant continuer sur notre lancée. Parce que du coup, on est combien au classement? On est... Ah bah on est premier. On est premier, on finit leader. Donc bah c'est bien. C'est bien. Chelsea, ils ont fait quoi? Ah, ils ont perdu le match. Ouais, ils ont perdu le match. Je sais pas contre qui jouer. Mais ils ont perdu le match. Donc, classement des buteurs, Lamela qui est deuxième. Il y a Okazaki qui est troisième. Qui est premier, je veux dire. Ouais. On va aller voir les rencontres vite fait. Ok, donc nous, on a fait un match nul face à Tottenham. Après, on a gagné 2-1 contre Stoke. Leicester qui fait un match nul face à West Ham. Et je vais voir Chelsea. Chelsea, Manchester United qui fait 0-0 contre Aston Villa, City qui perd contre West Bromwich. Et il n'y a pas de Chelsea. Pourtant ils ont bien fait deux matchs. Bah ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, enfin bref. Pjanic qui a signé à Arsenal. Aubameyang à Manchester City et Martinez à Manchester City, ça va nous faire très très mal. Ouais. Chelsea. Ah ouais non, ils ont joué qu'un match Chelsea. Ah oui d'accord, on a un match de retard sur eux. Ok donc bon bah les gars, en espérant que vous ayez passé un bon moment. En tout cas moi ça a été le cas. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Mon Twitter et mon Facebook seront dans la description. Sinon quoi dire de plus. Continuez sur cette lancée avec la carrière. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la carrière les gars. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous les potos. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !